quoi, le petit ruban déjà dans le coin? Celui que j'ai, le vert c'est pour Teamwork, le rouge c'est pour Honorable Opponent. Ah, ben c'est bon. Ironiquement, le plus facile, ils ont fait des statistiques là, pour voir le suivi de ça. La plus facile à avoir, c'est Honorable Opponent parce que le monde joue trop en PvP et c'est trop facile de l'avoir. Le plus dur à avoir, c'est Teamwork. C'est celle-là que j'ai eue. C'est bon signe. Mais là, ils ont descendu les critères pour l'avoir, puis je l'ai encore. Fait que c'est vraiment un bon signe. J'avoue. Ok, smash the ground, the air stunning, ça change On devrait aller bien ensemble, toi et moi, là. ouais. Ah, Toi, tu j'ai. peux ralentir, tu peux healer, tu peux stunner. C'est un gros tank support vraiment efficace. Nice. Toi, tu fais du dégât, fait que ça va bien faire. C'est ça, moi aussi, je peux ralentir un peu puis stunner. Fait que mélange ensemble, c'est juste. C'est mortel. Tu sais, s'il y a deux qui nous attaquent, tu peux protéger en masse, puis les tasser, puis tout ça. C'est ironique parce que Alistar, c'est un des rares personnages qui fait vraiment chier à jouer contre avec Swain. Parce qu'à chaque fois que je veux faire de quoi, il peut me tasser. Fait que ça annule toutes mes spells. Ok, ouais. Bien. J'ai pris mon premier habité, Smash the Ground, Dealing, tatata, des gars. Puis ça renvoie les ennemis dans les airs, ça les stun, nice. Ouais, ça c'est pratique. Ça mélangé avec mes affaires à moins, ça finira plus là. Le temps que les temps de se sauver, ils vont mourir. Oh, son ultimate est fort. 50% moins de dégâts, plus 60 d'attaque, puis pendant 7 secondes. C'est genre, tu rentres dans le top et tu fais du dégât. Ouais. Ouais, c'est. Tu sais, c'est l'image d'un tank qu'on a. Un gros buff, là, tu sais, bien musclé qui fonce dans le tas, là. Yes. J'ai pas remarqué, t'as-tu utilisé le skin que t'as eu avec? Non, moi, je pense pas. Okay. J'ai juste pogné, fait oh boy. Ouais, attention. J'ai comme lagué une fraction de seconde, moi là. Je pense que c'est côté serveur parce que ma connexion est bonne. Ouais. Nothing can hold me back. C'est sûr que même les tanks au début peuvent crever quand même assez vite, là. C'est niveau 1. C'est pas là que t'es à ton maximum de capacité, mettons. Ok. Compagne de skills, là, ça va aller mieux. C'est pour ça que personnellement, il y a bien du monde qui joue bien agressif, là, surtout en PvP. Mais moi, personnellement, je suis plus du genre à aller tranquillement, pas vite, builder avec les minions pis tout ça, pour avoir toutes tes skills avant de vouloir attaquer les autres. Ouais. Parce que c'est là que t'es le plus fort avec tous tes combos. Oh boy. Ah, tu vois, ça c'est pratique, là. Juste ça, ça peut sauver la vie pas mal. J'imagine que ça va être bon de mettre du regen sur ce bonhomme-là, puis. Ouais, du HP regen, puis des HP. Ah, je sais pas comment ce que. Un bon mélange, c'est que t'as des Masteries puis des Runes qui font en sorte que t'as plus de vie, et en plus que t'as de vie, plus que tu regagnes de la vie par seconde. Fait que nice. Mélange ensemble, ça t'en fait beaucoup, là. Ouais. T'as pogné l'altar. Yeah, m'étonner. Je sais pas si life à droite a spawné, bon. Le quoi? Life, c'est ça, il Ah, ouais, oui, on le voit sur la carte. Nice. Tu regardes sur la carte, il est indiqué quand il est là. Je suis pas sûr par contre si c'est vraiment une référence. Parce que si on se fie. Par exemple, la carte dans 5 contre 5, elle inscrit les monstres, où est-ce qu'ils sont, puis tout ça, puis s'ils sont là ou pas. Sauf que si l'autre équipe l'a pris, ça va être quand même écrit sur la carte. Pour pas que tu saches d'avance si le monstre est là. Ah, merde. Hop. Yep. Ouais. Tu peux te faire fourrer, mettons, aller vers le monstre, tu te rends compte qu'il est même pas là, là, ça arrive. C'est ça. Bon, mais on va faire plus attention, là. Ouais, pis ça level pas vite, un tank. Non, c'est. C'est parce qu'il faut pogner les minions. Si tu fais qu'attendre, c'est là que tu montes moins vite. Faut que les tues pour remonter plus vite. C'est sûr. Eldridgen. C'est le genre de jeu que quand tu jases pis ça te distrait, ça paraît pas mal. On va prendre une potion aussi. On va un petit peu plus de health regen. Plus 8. You must follow. Ok. Oups.
Oh, loin. Pas ça, c'est l'habitude là, qui va faire que tu vas le savoir un moment donné instinctivement. Ah, il y a des personnages qui sont bien durs à apprendre parce qu'ils ont des portées bizarres un peu qu'il faut s'habituer là. C'est. On s'habitue avec l'instinct. Hein. Comme ça, ce que je fais là, mon stun, là. Je suis rendu, je le sais à quel moment le faire et à quel endroit. Mais au début, c'est tough à apprendre. Aïe. C'est beau. Nice. Bon, premier heal. Ouais, ça c'est pratique. Si je me souviens bien, ça guérit celui qui est proche de toi aussi. Ouais, c'est un scénario. Si proche de toi, ça se guérit. Je préfère ouais. C'est comme si t'avais le spell heal, là. Moins fort, je pense, mais quand même. Ouais, j'ai oublié que j'avais mes spells. Ouais, petit détail, hein. Ouais. Ça sauve la vie, souvent, ça vous aide à faire des kills. Avec Jane Boussis, on va la faire facilement. Il faut attendre un peu à pogner des minions. Ça, au début, j'ai pogné des minions. Ça sert à rien d'aller attaquer les autres le plus vite possible parce que t'as des bonnes chances de pas réussir. Hey. Hey. Nice. C'est assez précis comme stun. C'est mon stun qui l'a tué en plus. Oups. J'ai pensé, genre, sur le coup, genre. Ça aurait valu la peine, genre, de l'envoyer en arrière. C'est ça. C'est une bonne stratégie, mais tu sais, ça c'est le genre d'habilité, puis il y a d'autres personnages qui ont à peu près la même chose. C'est que c'est le genre d'habilité qui peut faire chier. Tu sais, tu renvoies l'adversaire plus loin, puis tu sauves la vie, ça fait vraiment chier. Ouais. Ça arrive. Très bon. Nice. J'allais pogner la plateforme en bas. Ok. Je pourrais t'aider, mais je vais te serrer. Ah, j'ai mon heal, trop peu. Moi, j'ai mon heal aussi. Excellent. Et là. Ah, whoops. Nice. J'ai même pas fait exprès, c'est mon heal qui me l'a pogné de loin. Ça, c'est drôle, des fois, ça arrive. Hein. Et voilà. Oh, faut que je le garde, là. Je peux t'y aller encore. C'est bon. Je vais revenir assez vite, de toute façon, là. Okay. C'est pas un objet de main important à voir que j'ai juste assez d'argent. Ah, c'est vrai, j'ai besoin de. J'ai pas mal de cash, peut-être bon, pas y quelque chose pour augmenter mon max HP ou quelque chose de même. Mm-hmm. Si tu utilises des personnages qui sont très ability power, un des items assez universels, c'est Rod of Age. Ouais. En gros résumé, ça donne plus de mana, plus de vie, plus de puissance à chaque minute pendant 10 minutes. Nice. Fait qu'après 10 minutes, t'es bien boosté. Ouais, on va y la rejoindre dans le fond. Fait que là, j'ai pogné à la fin qui donne plus 200 HP puis plus 5 de health par seconde. Excellent, tu vas t'en faire pas mal plus. Ouais. Mais tu sais, ça aussi, c'est une affaire. Tu sais, ça fait des méchantes différences. J'ai regardé ça des games que j'ai faites. L'habilité à savoir quand c'est le temps de revenir pour pas que tu t'en ailles dans l'action pour que tu perdes l'occasion de faire des kills faciles. Ou le contraire, ben, t'en aller puis de pas avoir besoin de t'en aller puis de le faire pareil. Là. C'est bien la gestion. Un petit kill. J'ai un petit peu stunné. C'est bon, je veux l'air pareil. Ok. Dès que j'ai un des mes skills qui revient, elle est morte. Et voilà. Nice. Là, on est deux tanks. T'es plus tank que moi, mais moi, je peux l'être assez. Avec mes petits corbeaux là, qui me redonnent la vie. Là. C'est bon, ça. Ouais. Hey, exact. Nice. Je sais pas si ça l'a pogné. Ouais, bah ça a réussi, c'est bon. Ah, je vais l'attirer de même. Celui-là. Je vais l'alentir. C'est là. Ah, les autres, ils vont bien ensemble. Ah, ouais. Madame, ouais, faut que je fasse attention.
C'est ça, toutes les mages sont de même, hein. Dès qu'ils ont plus de mana, ils sont complètement vulnérables. Ouais. Comme là, je sais que j'en ai pas gros, je suis en plus en danger, là. Ouais. J'ai fait le plus de dommages possible pour qu'ils s'en aillent. Pour qu'on le repogne après, bon, je reviens. Ok. Mana, puis de l'argent dépensé. Et ouais, si oh, ouais, le life est dans le milieu, je vais aller chercher. Excellent. Je vais regarder ça, on est contre qui? Ah ouais, on va me pogner ces bottes là. Oh, ça donne un boost de vitesse en plus. Nice. Je pense que c'est un objet que tu peux avoir ben, avec n'importe quel personnage, mais avec lui qui peut valoir la peine. C'est un objet qui fait un aura autour de toi automatiquement puis qui redonne de la résistance magique ou physique ou les deux. Nice. C'est aussi t'en as que c'est magnétique là. Oh là! C'est-tu pas assez bien visé ça? Oui. C'est lui aussi si j'ai un objet là. Ah ouais, il meurt. Nice. C'est pas assez risqué, mais je l'ai pareil. Alors, fallait juste pas que quelqu'un d'autre arrive et me stun là, parce que là j'aurais été dans la merde. Bon, je arrive. Une cible facile. Hey, ça là. Ouais. Et une chance que j'avais des millions pour me healer. C'est les millions qui m'ont sauvé la vie. Bon, moi je vais me téléporter, j'ai du cash pas mal, fait que... Ouais. Je sais pas si t'as remarqué aussi, mais les tours, le gros danger qu'ils ont, c'est pas juste qu'ils font beaucoup de dégâts, c'est qu'à chaque coup ils te font plus de dégâts. Fait que ouais. Peu importe ta défense pis tes vies, tu finis par te faire tuer. Ça s'accumule. Ouais. Pareil comme mon ult à moi, il est fort puis je peux le garder tant que je veux. Sauf que plus que je le laisse longtemps, plus qu'il coûte cher. Fait que je peux jamais le laisser à l'infini. Une chance parce que ce serait ben trop fort pour un personnage. C'est ça. Au speed, un petit peu plus de dégâts, puis la défense, toujours la défense. Ça faisait spatial ça déjà. Oh, nice. L'item que j'ai pogné me donne, quand je l'active, plus 40 mouvements de speed pour 3 secondes. Oh, pas pire. Yes. Ça, c'est de l'avoir l'habitude, par contre, activer un objet, là. Ouais. Ben, il est dans 1, puis ça me donne 10 mana de regen, 10 health regen à toutes les 5 secondes. Excellent. Je les amène. Ah, on peut l'avoir à deux. Non, maudit minion, passez où? J'ai dit les deux. C'est ça. Nice. Ben, tu progresses assez vite. À ce moment-là, oui. Vite, une fois que tu commences à prendre des skills, ouais. Ouais, c'est ça. Ça vient, c'est satisfaisant aussi. Hein. Ouais. Ah, puis tant pis. Ah. Oups. Oh boy. Ça va être serré ou pas? Ce qui est drôle, c'est que son ours, tu peux le tuer, puis ça te donne de l'argent comme si c'était un monstre. Oh, tout est mort, je pense. Non! Vite! Ah! J'ai zistonné, mais c'était pas assez. Il y avait les trois après moi, donc. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai zistonné trois, ça le paye, mais. Ils t'ont ralenti en plus, fait que c'était pas mal mort. Ça peut arriver à n'importe qui là. Surprise avant quand ils te pognent tout en même temps. Là. Mm-hmm. 10 secondes. Je suis juste au base level 11 en plus. Ça te donne, si je me souviens bien, c'est à ce niveau-là que tu gagnes un autre point pour ton ult. Ouais.
démocratique. Bon, ils ont repris leur côté. Dès qu'on peut, on irait le chercher. Ok. Ah, ils sont tout où? En bas, je vais aller pogner. Hey boy, ils s'en viennent vers le portail. J'y vais, j'y vais. Ils sont déjà endommagés un peu, ok. Ah non, tu sauveras pas. Je non plus. Oh oui! Bien, ok. Ça va bien. Ok. Bon, on va le laisser en bas, il n'y a pas besoin d'aide pantoute. Quinn, pour faire le lane, n'a vraiment pas besoin d'aide. Elle est bonne pour détruire les monstres assez vite. Moi aussi, je peux le faire vite, mais je ne veux pas gaspiller ma mana. Ouais. Je la garde pour tuer les ennemis. On peut pas encore un Schiller. Bon, on peut se tuer lui. Ah, pourquoi pas toute la gang? Encore. Ok. Notre triple, il est où? Ah, il essaie, on peut pogner ça ici. Mais yes. C'est le temps idéal. Là, on peut pogner le troisième. Quoi, ça? Hey, excellent! Ok, ouais. Charge en face. Pas de mana, moi là, faut que je fasse attention. Ouais. T'es plus faire du Ravas, mais pas essayer de les tuer. Je disais ça, mais ça a bien été pareil. Yes. Ouf, là, je courrais pas après, je sais que j'ai pas assez de mana. Et un petit flash dans la face. Ça aussi, ça peut être offensif, un flash, mais c'est pas juste pour te sauver. Ouais. Ah, oh alors. Ah, t'as même pas eu besoin de mon stun. Et tu me tiens. Ah non, on va pas là. C'est ça que je te dis. L'escalier, c'est la limite où on peut pas aller, sinon tu meurs pas mal instinctif. Okay, j'avais activé instantané. Mon... J'avais activé mon ult. C'est pour ça que je me disais, ah, je vais l'attaquer. Did not work. Il fait quoi déjà son ult à lui? 50%. Non, je faisais 60% dommages réduits. Plus 75 d'attaque damage, puis pendant 7 secondes. Ouais. Sauf que ça protège pas de ce truc-là. Ouais. Pas mal instantané, crapitude. Pas grave. Dans la base. Ouais, c'est ça. On apprend de même. 40% attaque speed. T'as un bon score quand même. Ouais. On va mettre un petit peu de dommage aussi. C'est attaque damage. Ça. Ah oui, l'objet, je viens de voir celui que tu parlais que tu peux activer. Là. Ouais. C'est bien pratique ça. Ah, je vais m'en sauver, tu me le diras, je vais l'activer. Ouais. Je vais faire mon stun puis je vais l'activer en même temps. Ouais, c'est ça. Now I'm angry. Pas comme d'en face. Je sais pas s'il était étroit dessus là, mais. Je sens que c'est sa première. Ouais. Bon, il a pas laissé grand kill, il y en a un. Rien qu'un score de 1, 1, 3. Ah. Bien sur toi.
Donner le temps de péter les limiteurs. Ouais, bien ça. Nice. Au moins mes corbeaux peuvent aller dans leur escalier. Ouf. Arr. Yes. Il y en a eu pas mal des aces dans ce game-là. Ouais. Attention à lui. Oh, excellent! C'est tellement utile ça. Ouais. Tu cool. passes derrière et tu l'envoies dans la gang derrière. Mais comme ça, t'es sûr et certain que tu vas rester. Oh! Ouais, sauf toi. Bon, pas besoin de mana, il faut que j'y retourne. Même si c'est pas mal fini, je pense. Non, j'ai pas de problème de mana avec ce bonhomme-là. Ouais, excellent ça. Des fois, on pogne un personnage qu'on a plus de misère parce que ses skills en demandent plus ou on veut tout être agressif avec. Oups. Attention à toi. Ah, c'est fini, hein? Ouais, il a pas de chance. Les vegans sont... peuvent finir la job du seul. Ils sont tous down, fait que. Ils vont commencer ouais. à spawner comme là, là. Ouais, il y en a deux qui arrivent. Et les v'là. Yo, c'est pas venir. C'est oh fuck, pas eux autres. Oh non, ça va, laisse faire tellement. Ok, attends. Où va-t'en pas, ok? Il a pas eu le temps de s'en aller. Ah, le mélange de ton stun et du mien, là, ça fesse. Ouais. Oh, pas trop loin. Nice. Belle game, ça? Très bien, ouais. Côté du coup. Oh boy. Nice! T'as fait comment de. Encore! T'as fait comment de Ace? C'était fou, c'était fou. Ça a bien été. Ouais, très bien.